Ensemble, ils savourent le goût sucré de la victoire. Pas même troublés, juste heureux. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Leur absinthe est médaille d'or. Santé. À la première. Elle est meilleure depuis la médaille ? Un petit goût différent. Alors ? Bah oui, très heureux, un beau résultat. Vous y attendiez ? Non. Quand le verdict tombe et que vous regardez à trois fois sur le site du concours agricole si c'est bien la fameuse feuille or. Alors vous vous dites que le pari est gagné. Il y a 3 ans, il n'y avait là ni alambic ni bouteille, juste la volonté de refaire les gestes des générations d'avant. Une idée qui a germé en même temps que les premiers champs d'absinthe replantés autour de Pontarlier. Nous sommes en 2001, Stéphane Marguet, alors agriculteur, démarre son odyssée à la pioche. 15 ans plus tard, la distillerie des deux complices sort 1000 bouteilles d'une recette maison et s'est fait une petite place entre les légendes locales, Guy et Pernod, un conte de fées vertes à la morale toute simple. On essaye de travailler le produit de manière authentique, on travaille avec nos propres plantes, on essaye de distiller de manière très régulière et comme le faisaient, nos anciens. Donc au final, ça paye, on en est vraiment, vraiment satisfait. Une médaille d'or qui vaut celle du mérite, celui d'avoir ouvert une distillerie dans un secteur qui les a presque toutes vues disparaître au siècle dernier. Alors santé et modération, bien sûr.